Attention, émission diffusée en couleur, 16/9 stéréo et boulet time, procédé exclusif. Les petits amis de No Life, entrez donc. Enfin, pas les tout petits amis. Les petits amis, vous restez à la porte. Hein, parce qu'aujourd'hui, on va regarder un jeu assez violent. Donc, vous savez comment c'est. Dans ces cas-là, on joue plutôt tard le soir quand les enfants sont couchés. Regardez cette publicité mensongère. Bienvenue sur Elgan. Bienvenue, mon œil. C'est pas bienvenue chez les ch'tis, croyez-moi. Elgan, c'est la planète maudite des vilains extraterrestres, les Elgast, il s'appelle. Puisqu'on va jouer aujourd'hui à Killzone 2 sur PlayStation 3. C'était prévu comme étant un des jeux phares de la PlayStation 3. Effectivement, c'est impressionnant. Vous allez voir que graphiquement, voilà, une nouvelle étape est franchie. On va avoir des trucs absolument magnifiques. C'était, souvenez-vous, à l'E-Cube en 2005, on a vu la première vidéo de Killzone 2 et on savait pas trop si c'était une cinématique ou si ce serait le jeu définitif. Maintenant on sait, c'était une cinématique. On nous a pipoté comme d'habitude. Ceci dit, c'est quand même pas dégueu. Regardez, je fais reprendre, on y va. Profitez du ciel bleu, absolument magnifique, de ces beaux nuages poétiques, de cette envolée. Voilà, terminé. Pas le moment de glander, maintenant on va y aller. Ce coin de ciel bleu, c'est le seul que vous verrez de tout le jeu, quasiment, je crois. Tellement c'est dans des environnements absolument effrayants, des trucs terribles. C'est la guerre partout, c'est à moitié détruite, leur planète va péter de toute façon d'un instant à l'autre. C'est pour ça qu'ils essayent d'envahir le reste de l'univers, les extraterrestres. Donc on va carrément chez eux, histoire de porter la dernière contre-attaque et d'en finir définitivement avec les Elgast. Alors regardez, ça fait penser à Call of Duty, à tous ces trucs, sauf qu'au lieu d'avoir des barges qui débarquent en Normandie, on a des barges volantes. Donc voilà un petit peu la différence. En dehors de ça, je trouve pas que l'univers soit très original. Contrairement à un Gears of War, où il y a un vrai univers vraiment sympa, vraiment varié, je trouve que l'univers de Killzone est un petit peu léger. Et pour tout vous dire, il me saoule un peu. Donc techniquement, je reconnais la prouesse, mais vous allez voir qu'on m'ennuie un peu dans ce jeu. Et pourtant, il y a de l'action, hein, sans arrêt, peut-être même un peu trop. Mais voilà, j'ai pas accroché moi, alors c'est vraiment mon avis personnel, je vous dis ça dès le début, je devrais vous dire ça à la fin, mais on va découvrir ensemble, on va aller se poser sur cette maudite planète, vous verrez, je vous expliquerai pourquoi je parle parfois en canadien, parce que eux-mêmes je crois qu'il y a des traducteurs canadiens qui ont bossé sur le jeu, donc c'est en VF, la VF est pas mal, à quelques erreurs de traduction près, on en reparlera tout à l'heure. Alors c'est parti, regardez, voilà mes collègues sont à bord de la barge, tout le monde, je vais peut-être me planquer un peu. Tout le monde a été déposé, la barge s'en va. Regardez-moi ça, c'est vrai que c'est magnifique. Les effets de flammes, la barge qui vient de se faire exploser la tronche, les débris qui volent. Voilà, on est carrément une étape au-dessus sur PlayStation 3. C'est vrai qu'on n'a jamais vu un truc comme ça. De la poussière partout, des trucs incroyables. Vraiment, c'est magnifique. Simplement, juste, c'est moche. Regardez-moi cet environnement, c'est super moche. On dirait toujours une raffinerie. Et vous allez voir que la plupart des décors, c'est pareil. Bon, on m'a demandé de rejoindre le commandant Narville. Content de vous voir. Au rapport. Alors moi je m'appelle Seb. Tour et demi, détruit tout ce qui bouge. Bah oui. Vous deux, passez par la droite. Faut aller jusqu'en haut. Donc c'est pas mal ces cinématiques un peu dans le cadre de l'action. Bonne chance, messieurs. On va aller avec mon petit compère, parce que là-bas il y a une espèce de sale tour, je sais pas si vous la voyez dans le fond là, qui nous mitraille, qui nous bombarde. On va essayer d'aller faire péter ça. Le chemin va pas être facile. Ok, je vais plastiquer la porte, pas de problème les gars, j'y vais. Alors regardez, il y a un truc marrant avec le six-axis de temps en temps. On en aura un autre tout à l'heure. Je maintiens R1 pour m'agripper au six-axis et je tourne. Hop, vous voyez comment ça fait? Voilà, pour préparer la petite bombe, ça y est, c'est prêt. Ça sert aussi à ouvrir des vérins hydrauliques, des choses comme ça. Je vais me planquer, pas rester comme un cake en face de la porte. Je vais me mettre sur le côté pour que vous la voyez exploser quand même. Attention, c'est parti. Ça y est, voilà, plus de porte. Vous avez vu, j'ai pris une petite giclée de sang. C'est mon propre sang. Donc ça, c'est pas mal. Le sang est bien visqueux sur le casque et tout. Il y a deux, trois trucs pas mal. Puis aussi des trucs étonnants. Regardez bien, il y a des temps de chargement. Des fois, on sait pas pourquoi. En plein milieu, hop, vous avez vu ces petites frises de l'image. Il y en a un pour rien, vous voyez, au petit détour d'un couloir, de temps en temps. On se retrouve avec un temps de chargement qu'on n'avait pas demandé. Allez, hop, ça frise et ça repart. Voilà, petite déception. C'est une pré-version que j'ai. Alors peut-être ce sera pas comme ça dans la version définitive.
Je ne sais pas. Alors le truc dans ce jeu, c'est de toujours se mettre à couvert pour flinguer les gars. Il y a tellement de fumée qu'en général, on les voit pas. Donc faut être extrêmement prudent. Eux aussi se mettent à couvert. Vous avez vu qu'il était juste au coin, voilà, au coin de la rue. Ils balancent une grenade. Ils sont pas idiots, les gars. Voilà. Une bonne giclée de sang sur mon casque. Ils sont pas idiots du tout, contrairement à moi, qui suis pas un grand militaire de carrière et qui ai toujours du mal visé. Et toujours du mal surtout à reconnaître les uniformes. Ça, c'est mon gros problème dans la guerre, c'est que je ne sais jamais sur qui je tire. Et voilà, et je suis mort. Ah bah, ça commence bien, tiens. Je savais que ce serait dur, ce chez Marcus sur Killzone. Le jeu est pas facile. Franchement, il y a des moments assez délicats. Et puis, comme d'habitude, la vieille excuse de mon écran qui est un peu claire. Là, on a essayé d'améliorer les éclairages. J'espère que ça va un peu mieux se passer pour moi. Ça commence mal. On recommence. On y retourne et j'essaie d'être un petit peu plus prudent ce coup-ci, de bien rester à couvert. Voilà. Et peut-être de zoomer pour viser quelqu'un. C'est quand même plus pratique. Voilà, vous allez voir que les environnements sont destructibles. Ça, c'est assez bien foutu aussi. On balance des grenades. Mais moi aussi, j'en ai des grenades, tiens. Voilà. Ah, mon problème avec les grenades, c'est que j'aime bien voir les mecs exploser une fois que j'aurai balancé une grenade sur la tronche. Oh là, un gars. Oh là là. Ça, c'est un mouvement de panique. Vous avez vu le zoom, c'est que j'ai appuyé un peu trop sur la touche R3. Ah non, ça, c'est mon pote. Vous voyez, je lui tire dans le dos. Bon, ça va, il gueule pas trop. On peut soigner ses camarades, c'est assez rigolo. Tout se fait au flingue, il a un flingue qui permet de soigner les blessés. Ça, je trouve ça assez rigolo. J'essaierai de vous faire voir ça tout à l'heure. Ah, il était caché lui. Alors, le chef de vous avez remarqué comme un certain flottement dans ma façon de me déplacer. Je trouve les commandes extrêmement molles et pas très agréables pour tout dire. Regardez, là, il y a une espèce de bidon, je vais tirer dedans. Voilà. Ah, des petits dégâts sur le côté. Je trouve les commandes assez molles, j'ai l'impression d'avoir les doigts en beurre, c'est assez désagréable. Je sais pas si c'est moi, on peut les régler, on peut régler la souplesse des commandes, leur sensibilité. Voilà, j'arrive pas à trouver une sensibilité qui me convienne vraiment. Bon, on va y aller tranquillement, je vous disais que les décors sont destructibles, regardez les poutres là, voilà, tout est parti en morceaux. On peut vraiment démolir un tas de trucs. Regardez par exemple les volets, voilà, tiens, je vais péter les volets. Et quand ce sera bien démoli, je balancerai une grenade dans le truc. Ce serait mieux de me mettre à couvert en fait. J'utilise pas beaucoup là moi, mais voilà. L'idée c'est toujours se mettre à couvert dans ce jeu pour tirer. Ça marche pas très bien à tous les coups. Donc je vais jeter une grenade là-dedans. Ah merde, j'ai raté. Elle a rebondi là où il fallait pas. Bon tant pis, on va y aller à la main. Voilà, c'est fait. Vous avez vu, j'ai pété les volets, on a pété les... on pète du béton, des tas de trucs. Vraiment, c'est étonnant de voir le nombre de débris qu'il y a, le nombre d'explosions. Puis c'est quand même super joli, regardez ça. Regardez là, le temps très orageux, hein. Bienvenue sur Elgan, vraiment. C'est comme chez les ch'tis, hein. il fait le même temps à peu près. Et puis c'est gris, c'est moche. Alors on va pas dire comme chez les ch'tis, mais comme dans un épisode de l'inspecteur d'Eric. Je trouve ça dommage d'avoir autant de moyens technologiques, de pouvoir faire des débris, des trucs, des explosions, des effets de lumière incroyables et tout, et d'utiliser ça pour faire des décors aussi moches. Je trouve que vraiment, c'est dommage. Allez, une petite grenade, voilà, ça va les calmer. Encore que, ils ont réussi à se mettre à l'abri. Ils sont assez malins. Là, je me suis mis lâchement en mode facile. J'ai joué moins en mode normal, mais histoire de vous faire voir le maximum de choses aujourd'hui, je suis repassé en mode facile, je reconnais, assez lâchement. Parce que vraiment, j'ai un mal fou. J'ai beaucoup de mal à jouer à ce truc. Mais alors, en parlant en même temps, c'est un cauchemar. Donc, je vais y aller le plus lâchement possible. Tant pis, mais c'est pas grave. On va essayer d'aller faire péter cette mode des tours qui bombardait nos petits camarades. Vous avez vu un petit freeze encore dans l'image, là. Et parfois, il y en a, on sait pas pourquoi, dans un bout de couloir qui nécessite pas tellement de... Après vous, sergent. Après vous, sergent. J'aime bien les dialogues. Ils sont très chouettes. Ah, attention, là, je sens que ça va chier. Regardez ça. Bien flippant. Ah, il a une espèce de tronçonneuse. Il mitraille, voilà. Donc, ce que je trouve, c'est... En fait, il y a tellement d'action dans ce jeu qu'il y a rarement des grands moments comme là, par exemple. Ouais, une espèce de truc comme ça, ça rigole pas du tout. Donc, il faut absolument que j'arrive à le shooter dans le dos. Éclate les chars derrière lui! Éclate les chars derrière lui. Je sais pas si vous avez entendu ça. Donc ça, à mon avis, c'est des gars qui ont mal traduit les chars. En anglais, ça se dit tank, un tank, et je pense que c'est ça qu'ils ont compris. En fait, c'est pas un char d'assaut, un tank, c'est un réservoir en anglais. Et donc, le Canadien qui a traduit ça a dit « éclate-lui les chars !» Alors qu'en fait, c'est « éclate les réservoirs derrière lui ». Pense au char derrière lui, ça veut rien dire.
Donc au début, je galérais avec ce machin. Je me disais, mais les chars derrière lui, où est-ce qu'il voit un char? Je comprenais pas. Bon, au lieu de bavasser, il ferait mieux d'éclater les chars derrière lui. C'est-à-dire, pour traduire ça en français correctement, de lui tirer dans le cul finalement. Parce que c'est ça qu'il faut faire. De lui tirer une grenade peut-être. Parce que pour se protéger de la grenade, vous voyez, il se retourne. Donc je viens de recharger, j'en profite. Oh la vache, ça suffit pas. T'es prêt à mourir, j'ai pas envie. Voilà. Ah, très bien. J'aimerais bien lui piquer son arme, mais je peux pas. Vous voyez, ça c'est un des trucs qui me déçoit dans ce jeu. Ah, il en reste un encore. Il avait un sbire depuis tout à l'heure. Je me suis pas occupé du sbire. Où il est? Tiens, regardez, il prend un revers, le sbire. Même à la main, carrément. Voilà. Parce qu'on peut filer des coups de crosse aussi. Très bien. Et un connard en moins. Et un connard en moins. T'as fini par l'avoir, ce gros tas de merde. Faut qu'on détruise cette tour sentinelle. J'ai cru que ton heure avait sonné. J'aime bien comment il parle. Alors regardez, encore un petit coup de de tic-tac-tic, hein. C'est toujours difficile à prononcer. Donc avec R1 et R2, regardez mes petits doigts qui se crispent ou pas sur le volant. Donc je crispe mes deux mains, hop, et je tourne. Hop, je relâche pour remettre mes mains et je tourne. C'est pas super pratique, c'est pas super drôle. Mais voilà, c'est marrant. Bon, ça aurait pu être mieux que ça, mais c'est déjà assez sympa. Bon, on va arriver à la tour. Alors regardez, je peux piquer un sprint, les cavaler. Ce qu'il faut faire souvent, c'est courir et se mettre à couvert dès que ça va mal. Et là, on peut dire que ça va mal. Alors regardez, ce passage est assez délicat. Mes camarades se sont mis à couvert. Je vais faire comme eux, tranquillement, et on va les canarder d'ici. Oh là là, je crois qu'il y en a un qui nous a pris à revers. Pas grand chose. Ah ouais, bah, bêtement, ils viennent se foutre juste devant. Comme quoi, ils sont pas super malins non plus. Alors regardez, là, je crois que j'ai vu un petit bidon. Voilà, ça fait du dégât, c'est pas mal. Donc on peut utiliser, vu comme c'est un grand classique, hein, les bidons explosifs. Il y a aussi des mitrailleuses à utiliser. Moi, je crois qu'il y en a une à l'étage d'ailleurs. Tiens, je vais pas m'emmerder. Je vais grimper à l'étage plutôt que gâcher mes munitions. On va utiliser celles qui nous sont gentiment offertes. Donc de temps en temps, vous pourrez récupérer des trucs comme ça. Il y a un passage, vous allez récupérer un tank. Une espèce de gros exosquelette, histoire de varier un peu. Voilà, mais je trouve que c'est très classique en fait. C'est dommage, c'est super bien réalisé, faut reconnaître. Mais bon, les décors sont moches, hein, encore une fois, c'est bienvenu chez les ch'tis. Mais surtout, le problème, c'est que y a tellement de l'action tout le temps que je trouve que c'est assez plat. Par exemple, j'ai mis longtemps à trouver un niveau que j'avais envie de vous montrer en fait. J'avais envie de vous montrer un truc sympa et il n'y avait rien qui sortait du lot, quoi. À part ce petit gars avec que je viens de buter là, avec ses chars dans le dos. Voilà. Donc j'ai vraiment mis longtemps à me décider pour trouver quel niveau j'allais vous montrer aujourd'hui. Parce que tous se ressemblent plus ou moins. On est toujours dans des décors qui ressemblent à des raffineries, des usines, des dépôts d'armement, etc. Bon, il y a un petit village à un moment, mais c'est à peu près tout. Donc, j'ai obtenu un trophée, super. Système de trophées comme les succès sur Xbox 360 maintenant. Il y a ça aussi sur PS3. J'ai oublié de dire qu'on jouait sur PS3, évidemment, puisque c'était un des jeux phares de la PS3. Donc techniquement très réussi, juste un petit peu déçu, ça aurait pu être plus imaginatif et un peu plus malin que ça ne l'est. Bon, ceci dit, je chipote, hein, parce que franchement, il est quand même bien, il est bien foutu, bien réussi. J'ai senti quelqu'un là, sur le côté. On peut y aller, allez, à la baïonnette. Voilà, de temps en temps, ça fait pas de mal aussi. Lui, il se croit malin, caché dans un coin. Et il l'est, parce qu'il m'a quand même une sacrée dérouillée. Voilà. J'ai vraiment un mal fou à reconnaître les uniformes. Alors, c'est simple pour reconnaître les méchants, ils ont les yeux rouges. Voilà. Mais quand ils sont de dos, eh ben, on voit pas leurs yeux rouges. Donc, moi, ça me pose un sacré problème. Point de vue arme, là, je garde mon fusil réglementaire. Je trouve que c'est un des mieux. Ah, écoutez. On entend des méchants. Ils doivent pas être là. Mon fusil réglementaire, je l'aime bien. Oh, merde. Voilà, je vais tout mettre dans le mur. C'est pas possible de viser aussi mal. Je sens vraiment les commandes très molles. C'est bizarre parce que sur d'autres FPS sur PlayStation, je le sens pas. Je ne le sens pas comme ça. Donc vous me direz, vous essayerez, vous me direz si vous avez cette même sensation de doigts en beurre quand on joue à Killzone 2. D'accord, alors on y va. C'est parti, je descends. Ah, voilà mes potes. Alors je vous disais, oui, il y a des armes, il y a des pistolets à clous un peu qui punaisent carrément l'ennemi au sol. Ah, un lance-roquette. Ça fait jamais de mal, on va le prendre. On va s'amuser un peu avec ça.
Donc là, il n'y a pas photo. Quand on utilise ça, ça calme un peu tout le monde. Regardez un peu l'explosion. Les explosions sont superbes. Et des mecs près des tonneaux. J'en profite pour dégommer les mecs et les tonneaux, histoire de savoir que tout le décor est destructible. Donc ça, c'est pas mal. C'est du gâchis ce que je fais. Bon, ça y est, j'ai utilisé toutes mes munitions juste comme ça. Je vais surtout récupérer mon fusil d'assaut, mon fameux M82. Parce que je trouve que les autres fusils un peu basiques sont pas terribles. Et là, dans ce niveau-là, j'ai pas tellement accès à des choses plus intéressantes. Et là, il y a un râtelier avec quelques armes. On va en prendre un juste pour le principe. Si je me fais pas tuer dans le dos pendant ce temps-là. Vous voyez, je vois pas bien l'intérêt de ce flingue-là par rapport à l'autre. On peut... Oh là là, il y a du monde, j'ai peut-être balancé une grenade. Courez, voilà, barrez-vous. Il est parti se jeter dans la gueule du loup. Il est parti retrouver mes petits camarades. Voilà. Bon, ça c'est fait. Non, je vais quand même récupérer mon flingue, parce que celui-là, regardez, on peut viser avec celui-là. Mais je trouve pas la visée très pratique. Je préfère le viseur du flingue que j'avais tout à l'heure. Donc je vais récupérer, j'ai dû le laisser par terre quelque part. Mon 82, mon fameux 82. Voilà, très bien. C'est quand même mieux. Oh là, il y a un gars là-haut. Bon, allez, on rush comme un malade. Regardez, on peut le faire aussi. Hein. On peut faire le bourrin. Je ne fais que ça depuis tout à l'heure, de toute façon. Voilà. Ah, ça n'a pas suffi encore. Allez, une petite grenade peut-être, alors. Voilà, il n'y a que moi qui me l'a mangé, ma grenade. Ah bon, on va finir à la main. Oh, quand je vois Grix, c'est pas bon. Vite, je me mets à l'abri. Donc, c'est le vieux système qu'on commence à connaître maintenant. C'est que quand vous êtes touché, il faut vite vous mettre à couvert. Voilà, bah ça y est, non, je suis mort. Voilà. Vous commencez par avoir du sang un peu, avoir du sang dans le regard. Et ensuite, quand vous voyez en gris, c'est vraiment pas bon. Et après, le long tunnel blanc, ça peut dire que vous êtes carrément mort. D'où est-ce que je repars avec mes conneries? J'aurais dû être un petit peu plus vigilant. Voilà, on fait le kéké et du coup... bon, bah on va reprendre le lance-roquette. On trouvera bien une autre arme en route. Allez, c'est parti. Tiens, voilà, on va calmer une roquette n'importe où. Mais alors, quand je dis n'importe où, c'est vraiment n'importe où. Voilà. C'est vraiment pour les gâcher, hein, pour vous faire rire, parce que ça sert à rien ce que je fais. Allez, je récupère mon flingue. Et on va grimper, on va essayer de la dégommer quand même, cette tour. Voilà, donc j'ai du mal à trouver un grand moment que j'avais envie de vous faire voir pour Killzone. Je trouvais que tout se ressemblait un petit peu trop. Voilà, un petit coup de baïonnette, ça fait pas de mal. Lui aussi, hein, vous avez vu, aussi, ils ont des petits couteaux. Voilà, il faut vraiment absolument que je me planque quand ça tourne mal. Je crois que je l'ai pas eu, en fait, Ah si, voilà. Vous voyez leurs petits yeux rouges et cruels. C'est à ça qu'on voit qu'ils sont... Ah, viens là, voilà. C'est à ça qu'on voit qu'ils sont méchants. Alors ils ont aussi pas mal de matos, il y a des mecs qui peuvent se rendre un peu invisibles. Ah lui je le voyais pas, tiens. C'est pas qu'ils soient invisibles, c'est juste moi qui suis un peu myope. On va lui jeter une grenade. Voilà, il se précipite droit sur moi. Comme quoi il est pas très très malin. Voilà, on va faire le tour par là. Et là on va grimper peut-être, je crois qu'il y a une porte, voilà. On va rentrer là-dedans. Donc vous voyez ces décors, c'est assez sinistre, hein. Mais du coup, je trouve que c'est trop sinistre. Tout se ressemble un peu tout au long du jeu. À deux, trois exceptions près. Oui, allez, appelons l'ascenseur. Bien l'escalier, seulement, il n'y en a pas. Oh, ça, c'est de la blague. Je prendrais bien l'escalier, seulement, il n'y en a pas. Disons qu'ils ont du bol. T'es un petit comique, toi. Alors, regardez, les persos sont quand même pas mal. Hein. Ils ont des belles têtes de vainqueurs. Je trouve que lui, il fait un peu maladif. Mais voilà, on est quand même bien équipé et tout. Mais ça, il ne me fait pas rêver ce jeu, c'est assez marrant, hein. je saurais pas trop expliquer pourquoi. L'univers me lasse un peu. Alors c'est vrai que des trucs comme... Ah là voilà la tour qu'il faut qu'on pète, tiens. Voilà. Des trucs comme Dead Space après tout, que j'adore, c'est tout aussi sombre, c'est tout aussi gris. Mais au moins il y a des endroits que je trouve un petit peu différents, un peu variés. Par exemple, il y a une morgue, il y a une infirmerie, il y a des endroits qui nous parlent, on va dire. Il y a une serre, il y a des choses qui varient un peu. Là, je trouve que tout se ressemble. Je vais me mettre à l'abri derrière cette plaque ondulée et je vais leur refaire le coup du tonneau explosif. Voilà, ça, ils aiment pas du tout. Donc là, la tôle ondulée ne va pas rester bien longtemps, va pas me protéger bien longtemps si je reste trop bêtement planqué derrière. Au bout d'un moment, ça va sauter, ils vont faire péter le décor. Ah, v'là des renforts. Je suis fier de le dire parce qu'au début, je croyais que c'était des ennemis, j'ai passé mon temps à leur tirer dessus. Tiens, d'ailleurs, juste pour le principe, peut-être essayer de buter un gars à moi pour faire voir comment on soigne les gens.
avec un flingue, ça me fait toujours beaucoup rire. C'est peut-être pas le moment en même temps de gâcher mes troupes et d'être obligé de repartir à un checkpoint. Oui, quand je suis mort tout à l'heure, mine de rien, ça nous a permis de voir ce qui se passait et ça permet de voir qu'on reprend un checkpoint pas trop loin en fait. Donc ça va, c'est pas non plus insurmontable comme difficulté. Allez, une petite grenade pour eux peut-être. Oh, je serais mieux de me planquer, de pas trop faire le malin, mais. Voilà. Oh, ça sent la grenade. Enfin, ça. On entend le bruit d'une grenade. En train de me planquer. Oh, il y en a qui arrivent derrière. Oh, très bien. Ils ont un peu des uniformes de vieux soldats allemands de la Seconde Guerre mondiale. Tiens, je vais en répondre à revers, voilà. Donc c'est pas mal, vous voyez, j'aurais pu passer par devant. Là, hop, on va prendre les gars un peu à revers. À moins que ce soit un gars à moi. Voilà. Donc c'est pas non plus complètement linéaire. Ah super, je vais pouvoir soigner un gars. Je vais vous faire voir ça. Regardez, je m'approche de lui et j'ai un flingue qui soigne. Je trouve ça très drôle. Pour sauver un mec, bon, c'est un peu comme si on achevait un cheval. En fait, on lui balance un coup de flingue et il se remet. C'est plutôt bien. Bon allez, on va essayer d'aller. Je vais peut-être pas finir. Oh merde, tu sors toi. Tu m'as fait peur. Je vais peut-être pas pouvoir aller jusqu'à la tour, surtout je vais peut-être pas y arriver vivant. Où il est? Où tu es? Petit farceur. Non, ça c'est un pote à moi. Encore une fois, tant que vous voyez pas les yeux rouges, on peut pas trop savoir. Ah, mais il y a un gars derrière. On va lui jeter une petite grenade. Ouais, la grenade c'est mon truc. Vous voyez, alors il se cache, il va sur le côté. Et au lieu de lui tirer dessus, je le laisse filer comme un âne. Oui, qu'est-ce que je vous racontais, je sais plus. Les yeux rouges, oui. Ça montre qu'ils sont méchants, c'est ça qui est bien. J'ai pas beaucoup utilisé le truc à couvert, faudrait vraiment. Normalement, vous voyez, on est censé se mettre comme ça. Voilà, donc ça c'est assez pratique parce qu'on se fait pas trop toucher. Et ça permet de dégommer les autres. Bon, là je tire surtout. Alors, des fois ça marche pas très bien et on tire dans le muret sur lequel, derrière lequel on est accroupi. Et on passe pour un kéké. Mais bon, moi ça va, je suis habitué. Oh, encore un camarade à secourir. Alors, ça moi j'adore. Donc, je vais le faire. Sauf qu'on me tire dessus sur le côté. Voilà, alors voilà, je viens en aide à mes camarades et voilà comment on me remercie. Voilà. Allez, on va aller jusqu'à la tour, juste histoire de vous la faire voir. Je crois qu'elle est plus très loin. Et après, je vous laisserai, je pense que je mourrai au champ d'honneur. Allez, on cavale, voilà, j'ai passé un checkpoint. Je vais arriver à la tour, je vais la voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais rusher comme un âne. Voilà, ça marche. Je vais voir que ça peut marcher, éventuellement. Voilà, regardez. J'espère que mes potes vont me suivre et me couvrir. Ah là là, non, je vais peut-être y passer, voilà. Bon, bah c'est sur cette belle action d'éclat à la Marcus que je vous laisse. C'était Killzone 2, qui est un très bon jeu, objectivement sans doute un des meilleurs jeux de la PlayStation 3. Sauf que voilà, moi il m'a pas fait rêver, et moi j'aime qu'on me fasse rêver. Allez, j'y retourne, à bientôt, petits amis de No Life. Allez, où c'est le tour? Ah bah elle est là. Allez, on y va.